le contexte de l'affaire, on revient là-dessus. Donc, en réalité, donc Jean-Claude Elfas m'a signé en référé parce que dans un article qui contestait, en fait, il contestait le fait que sur les réseaux sociaux, Jean-Claude Elfas traitait l'ensemble des Africains de mendiants. C'était un article raciste, c'était un poste raciste. Et nous avons utilisé son poste pour faire un article sur ce personnage en le traitant d'immonde ras des goûts. Violer la vie des stars, parce que rappelons que Jean-Claude Elfas est en réalité voilà, un paparazzi, c'est du sous-journalisme, voilà, c'est rêvé quand je l'ai mis dans le monde. Je rappelle un petit peu le contexte, c'est-à-dire que Jean-Claude Elfas est une personne qui au mois de janvier nous avait attaqué à plusieurs reprises sur son site internet, enfin sur son site internet, son blog, petit blog, et nous avait attaqué, et il avait notamment mis en ligne l'adresse de ma femme, son numéro de téléphone, de mes parents également, leur lieu de travail, en demandant à tous ses partisans de les harceler, de les menacer de mort, etc. Donc c'est ainsi que mon bébé, qui avait 6 mois à l'époque, a eu un reçu de lui des menaces de viol. C'est surprenant, c'était faux, pour dire le coup. Donc ce personnage a commis un fait qui me semblait être une injustice. Nous avons tout des peines, moi et ma famille. La justice n'a pas pu suivre. Quelques mois plus tard, donc, nous faisons cet article-là pour dénoncer son racisme. Et là, une semaine plus tard, après cette demande, nous sommes assignés, enfin je suis assigné en référé, voilà, pour répondre de nos propos, enfin, de nos propos du rédacteur, à savoir cet immonde ras des goûts, tout juste bon, à violer la vie privée des stars. Et donc, là aujourd'hui, nous apprenons que Jean-Claude Elfas et son équipe donc, se désistent. Voilà, donc parce qu'ils ont compris qu'ils ne gagneraient pas, je pense. Et voilà, donc c'est une parodie de procès. Donc il fait déplacer tous les fournisseurs d'accès internet, SFR, Bouygues, Numérique Cable, etc. Pour rien, quoi. Pour rien, voilà, on fait déplacer l'ensemble des personnes, quoi, les juges, les magistrats, etc., les avocats. Pour rien du tout, c'est une blague. Je veux dire, il y a des affaires beaucoup plus graves, beaucoup plus importantes selon moi, aujourd'hui à juger. Et voilà, et Jean-Claude Elfas fait dépasser tout le monde. Et il compte s'en tirer comme ça, quoi, tranquillement. Voilà, donc nous avons demandé aujourd'hui des dommages et intérêts pour qu'il paye une bonne fois pour toutes et qu'il arrête un petit peu son petit jeu. Parce qu'on sait très bien que Jean-Claude Elfas est de mèche avec Grégory Chély, alias Vulcan. On a fait un article sur croix.fr qui en parle. Parce que Grégory Chély a pour habitude de m'appeler, et même bien, a priori, c'est un bon copain. Donc, et il m'a avoué, il a admis, alors qu'on l'enregistrait, qu'il ne le savait pas, il a admis qu'il travaillait tous les soirs avec Jean-Claude Elfas au téléphone. Et donc nous avons les enregistrements, vous pouvez aller vérifier. Et donc voilà, quoi, rappelons que Grégory Chély a récemment attaqué Rue 89, un journaliste de Rue 89, il y a même Reporters sans frontières qui est venu alors à la rescousse, etc. Bon, quand il s'attaque à nous, évidemment, il les félicite. Mais voilà, là, il se trouve qu'il a attaqué donc, le journal Libération, les a piratés, etc. Bon, c'est des choses qu'on a connues, évidemment. Mais là, là, la justice a décidé d'agir, donc a priori, puisqu'il est, il a un mandat d'arrêt, je crois, sur la gueule. Donc, voilà, donc c'est marrant que la justice décide d'agir seulement quand les puissants portent plainte contre une personne. Mais voilà, donc rappelons que Jean-Claude Elfas est de mèche avec ce fameux Grégory Chély, ce psychopathe, donc, qui a pour habitude de menacer les familles des personnes qui ne lui voulaient pas, qui ne pensent pas comme lui. Voilà. Ça fait un peu parodie de justice parce qu'on voit les, comment dire, les avocats en fait, des fournisseurs d'internet qui disent on prend en compte le désistement. Il n'y a que la juge qui prend pas en compte le désistement. Ouais, c'est assez hallucinant. Et puis même, regarde, les fournisseurs d'accès ne demandent pas dédommagement alors qu'ils se sont déplacés. Tous les fournisseurs d'accès ont envoyé leurs avocats à 3 reprises quand même dans cette histoire. Et aucun ne demande de dédommagement. Alors que normalement, bon, voilà, à un moment donné, c'est trop cher les avocats. Et on est très étonné de ça aussi, de voir qu'aucun fournisseur d'accès ne demande rien du tout. Voilà. Donc c'est quand même assez étonnant. Je veux dire, quand il s'agit de nous, on demande la somme capitale, alors que moi, concrètement, je suis smicard. Quoi. On a face à nous à des gens qui gagnent des dizaines de milliers d'euros. Quoi. Donc, millions même pour ce qui concerne les fournisseurs d'accès. Donc voilà, ouais, c'est l'injustice. L'injustice au palais de justice, évidemment. Ça commence à devenir une routine. C'est pour ça d'ailleurs que François d'Angloan a pour habitude de récuser les juges, parce que les juges, bien souvent, ne font pas preuve de partialité. Voilà. Du coup, quand est-ce qu'on aura le point final de cette affaire? Écoutez, à la fin, c'était un petit peu le chaos. Donc la juge a donné une date. Il faut que je voie que mon avocat, Maître d'Angloan, qui m'a d'ailleurs fermement défendu, voilà, donc Maître François d'Angloan, il y avait aussi Anne Gréco,
enfin voilà, toutes les personnes qui étaient là pour prendre mon parti, m'ont défendu à merveille. Voilà, j'ai été le seul à pas avoir la parole. La juge ne m'a pas laissé l'opportunité de pouvoir m'exprimer. J'aurais pu parler par exemple des menaces sur ma famille de la part de ce genre de Delphacy. C'est quand même des méthodes qui me paraissent assez similaires aux méthodes de la mafia. Voilà. Donc on n'est pas d'accord avec toi, on a des morts, on menace ta famille. Enfin, c'est des méthodes quand même assez crasseuses. Voilà. Donc quand on l'appelle ras d'égout, c'est quand même le strict minimum que l'on puisse faire. Quoi. Franchement, c'est quand même la moindre des choses, j'ai envie de dire. Donc encore heureux, ceux qui s'estiment heureux, ce gars-là, franchement, de ne pas s'être pris une peine à la tronche. Quoi. Franchement, voilà. Soit disant qu'il fait du Krav Maga, j'ai vu qu'il s'est fait défoncer la gueule par Ducruet en direct. Ça se discute, hein, voilà, qui le traitait d'ailleurs de rat d'égout. Je sais pas si vous vous rappelez. Le traitait de rat d'égout déjà à cette époque-là. Donc je ne suis pas le seul, apparemment. C'est quand même, voilà, ce langage animalier est repris par diverses personnes autour de... Voilà, dont des personnalités comme Ducruet, même de la rue à l'époque, qui validait ça. Et lui-même, Jean-Claude Delphacy, qui disait « Oui, mais le rat d'égout, selon lui, fait quand même 50% d'audience. » Je sais plus ce qu'il disait, donc il était tout fier d'être un rat. Voilà. C'est étonnant, donc moi j'ai repris donc son propos, enfin nous avons repris son propos avec le rédacteur pour le traiter d'immonde rat d'égout. Voilà. Et je rappelle aussi également que je ne suis pas le directeur de publication, légalement je ne suis pas censé être ici, ça devrait être normalement Germain Gefcoven. Donc je ne comprends pas pourquoi je suis entendu, puisque moi je ne suis que le fondateur du site. Voilà. Bon, j'ai un petit droit de regard, mais celui qui décide en dernière instance de publication, c'est Germain Gefcoven. Moi je lui dis ras d'égout, t'es sûr? Il me dit ouais, c'est la moindre des choses. Voilà, donc voilà, moi je. Voilà, c'est ce que je me suis donc permis de lui balancer une petite crotte de nez, comme on dit. Hein. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Bravo, à vous d'être là, les gars. Avec toi. Merci.